戦慄が世をかける。金箔が時を焦がす。空は触れ、地は沈み、人はただ予感する。戦乱の予感。にじり寄る脅威に、忍びたちはここに立つ。勇も邪も、鬼も絶も、時は満ちる。今こそ戦いの時、今こそ開戦の時。第三分隊は怪我人を連れて後方に下がれ。第五分隊は第三分隊の援護だ。敵を近づけるな。はい。第七章、死闘の海岸線。緊急報告。二次の砲撃、金閣と銀閣の攻撃により第六分隊が全滅の危機です。金閣と銀閣、あの滞在人も生き返ってるってのか。あの二人は波の忍びじゃ相手できない。第六分隊は下がらせろ。あの二人は俺たち第一分隊が相手をする。は、行くぞ。Hey les YouTube, c'est Sean Kazma, j'espère que vous allez bien, on est de retour aujourd'hui, messieurs, dames, bien entendu pour le 18ème épisode formidable et incroyable, toujours sur Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Storm 3, et aujourd'hui, messieurs, dames, on est part en compagnie de Daoui sur la ligne de front. Alors, dans l'épisode précédent, il s'est passé pas mal de choses, c'était Kakashi versus Zabuza ou Team Kakashi versus les 7 épéistes du brouillard. Ça s'est extrêmement bien passé. C'était un combat des plus dantesques. Et aujourd'hui, on revient sur la ligne de front avec Darui versus les frères Ginkaku et Jinkaku. Je sais plus. Bref, les jumeaux démoniaques. On va les appeler ainsi. Et vous allez découvrir pourquoi par la suite. On est parti. Et c'est bien ça, Ginkaku et Ginkaku. Alors, et vous allez commencer à croire que je dis ça pour tous les personnages, mais Daru est encore une fois l'un de mes personnages préférés. Pourquoi ? Parce que, et normalement il ne l'a pas encore montré, mais je vous le dis vite fait, il possède une technique unique. Et sa technique, en l'occurrence, elle est beaucoup trop stylée. En plus d'être puissante. Mais du coup, messieurs, nous sommes repartis sur le champ de bataille façon Sasuke, quand il était allé affronter tous les Kage au début de l'aventure. Et bien que ce soit pas mes phases préférées, pourquoi pas ? J'ai envie de dire, sur un champ de bataille, ça fait un petit peu de changement. Et surtout pour un jeu de combat, ça fait un petit peu de nouveauté ici et là. Voilà, les Zetsu blancs, ça dégage. Je sais pas s'il y a des objets à collecter ici et là, parce que si c'est le cas, je n'en ai pas oublié. Donc jusque là, tout se passe bien. Alors, Ginkaku et Kinkaku, qu'on pourrait aussi appeler les jumeaux démoniaques. Tout simplement parce que vous verrez bien pourquoi. Mais normalement, ça risque d'être bien. Je vous le dis, je sais pas si on aura le droit à un combat de boss. Même si honnêtement, ce serait cool. Ça s'annonce dur, ça s'annonce très très dur. Kakuzu, tu vas te calmer tout de suite. Certes, tu as été un boss dans Naruto Storm 2, mais aujourd'hui, tu es réduit à la moitié de rien, à savoir un pauvre Zetsu Blanc plus plus. Voilà, globalement. Coup de frénésie dans Kakuzu. Voilà, ça fait plaisir. Hop, non, je me suis bourré. Ah bordel, je confonds Y et A, ça va pas du tout. Hein. Prends le chemin, prends le chemin. Et je viens juste de voir qu'il y avait une barre de vie juste au-dessus de l'ennemi. Ce qui veut dire que je viens à peine de l'entamer. On a encore du chemin à faire. Depuis quand les Zetsu blancs ils s'ouvrent en plein milieu, c'est trop chelou. Non, parce que attends, les mecs c'est des plantes carnivores en fait. Les Zetsu c'est des Pokémon, hein, on va pas se mentir, c'est des Pokémon. Je suis bien content de vous le dire les Kazma. On a pas mal avancé avec Style, ce qui veut dire que là honnêtement je suis à l'aise pour vous proposer les épisodes prochains. Pas que j'attendais spécialement qu'on avance de notre côté avec Style, mais au moins maintenant je vais pouvoir vous faire clairement des retours sur ce qui se passe. Et notamment j'en ai un premier à faire sur le bataillon actuel, parce que
C'est moi où, normalement, cette bataille, dans l'anime, hein, se passe avant le combat de Kakashi versus Zabuza versus les 7 épices du brouillard. J'ai un gros gros doute. Ou alors, techniquement, ça se passe en parallèle, vous avez raison. Mais non, je sais pas. Et surtout, le jeu m'a fait une belle feinte, il y a 2 épisodes de cela, en me faisant croire que j'allais choisir l'ordre dans lequel j'allais dérouler les combats. Mais non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça a été Mifune, Zabuza du coup, et Darui. Vas-y, olé. Ok, olé. D'ailleurs, c'est bizarre parce que j'ai dit Mifune, genre le héros, j'ai dit Zabuza, genre le méchant, et j'ai redit Darui, genre le héros. C'est bizarre, enfin j'aurais dû dire Kakashi, c'est pas grave. Ok, bon, et bah écoutez, les Zetsu blancs ne résistent pas bien. Voilà, quoi? Je me suis pris quoi? Je me suis pris une boulette. Une belle boulette. Ah bah oui, hein. Ah bah ça c'est le cas de le dire. Alors, il y avait des personnes en commentaire qui me disaient « Ouais, Kazma, tu joues pas extrêmement bien quand même. Admets que ça pourrait être un petit peu plus propre, tout ça, tout ça. » Rappelez-vous, jeunes gens, que moi, ce que je tiens à vous proposer avant tout, c'est l'histoire. Hein, je sais que je joue mal. Je prends pas spécialement le temps de m'entraîner avant. Je devrais, hein, très clairement. J'ai eu ma grosse phase sur les Naruto Storm, mais surtout le 2. Et aujourd'hui, voilà quoi, j'essaie surtout de vous combler un petit peu l'histoire et de profiter un maximum de ce côté. Par contre, c'est des mines en fait qui est au sol et que je marche dessus. C'est incroyable. En fait, c'est la troisième que je me tape au moins, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Alors que, je sais pas, je devrais largement les voir. Ok, bon, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Kakuzu, le retour. Deuxième round. Est-ce que cette fois on en finit pour de bon avec toi? Oui, non, peut-être, je ne sais pas. Pas maintenant, oui, bah oui. Allez, viens voir, bichounette. Oh non, ça m'étonne. A mon avis, il va se barrer avec une nouvelle barre de life. Frenzy! Watsai! 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 Et Watsai! Oh là, ça va, c'était que des Y. Honnêtement, ça passe. Ça passe. Par contre, pourquoi j'ai des biens? Ça, c'est une bonne question. En sachant que tout à l'heure, quand j'ai refait la save du coup avec le combat contre Zabuza Kakashi, oui, parce que du coup, la save s'était pas effectuée entre les chapitres, hein, c'était chiant. J'ai eu un excellent easy peasy. Et là, non, je sais pas, la frénésie elle veut pas. Donc, bon. Écoutez, c'est pas grave! Oui! L'attaque du Minou Ténébreux! Excellent! Bien! Kakuzu, c'est fait! Plus qu'à Kinkaku et Ginkaku. Ça va être bien. Ça va être très, 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 très bien. Et du coup, ça revient à ce que je disais il y a quelques épisodes maintenant, c'est que les chapitres vont devenir de plus en plus courts en fait, et vont se concentrer principalement sur un acte important, genre la bataille sur le front, Kakashi versus Zabuza. À mon avis, je pense qu'on aura terminé ce chapitre une fois qu'on aura terminé la bataille contre Kinkaku et Ginkaku. Ok, quelqu'un d'autre? Oui, non, peut-être? Je ne crois pas, ça se passe bien. Bon, j'ai perdu pas mal de life quand même, hein, on va pas se mentir. Si je peux me rendre de la vie avant la fin, ce serait chouette. J'aurais peut-être dû m'en équiper de la vie. Oh, zut, crotte flûte. De toute manière, quand j'ai fini le jeu la première fois, je crois pas m'être guéri une seule fois. Hein. C'est pas nécessaire. Honnêtement, c'est pas nécessaire, je vous le dis. Par contre, les mines, ça va bien, hein, parce que je me les bouffe toutes. Voilà, celle-ci, j'ai réussi à l'esquiver. Mais, tout de même, voilà. Attends, mais il y en a tellement, comment tu veux te battre là-dedans? Ah! On dirait un champ de bataille. Mais c'est un champ de bataille, Kazman. Oh là, tu ne suis pas. Alors, attendez, copine. Hop là, voilà. Est-ce qu'il y a moyen de faire... Oui! Des attaques à... Putain, c'est marrant ça, on dirait que je leur envoie du chakra. Oh, c'est pas ouf. Ah, j'avoue, c'est pas mon attaque préférée. Attends, si je la charge peut-être... Ouais, vite zèle. Enfin, ce que je comprends pas en fait, c'est pourquoi est-ce qu'elle est bleue type chakra et pourquoi elle est pas noire en fait. Ça, ça manque un petit peu de logique. Bon, c'est pas grave. Alors, attends, je récupère les molécules. Voilà, merci. Et alors, on est bien ou on n'est pas bien? On est bien ou on n'est pas bien? Je pense que c'était la seule zone de front. Enfin, c'est-à-dire que si on a une deuxième, va falloir m'expliquer où c'est que c'est qu'elle se passe. Ok. Vous avez presque plus de vie! L'armée adverse! Vous allez mourir! Ah là 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 là, mes foutues mines qui traînent partout, c'est incroyable! Meurs! Voilà. Oh quoi? Ça repop! Ça a tellement repop! Va-t'en, Zetsu de mes fesses! Va-t'en aussi, Zetsu de mes fesses! Est-ce que j'utilise ma frénésie? Ah bah de toute façon je peux pas. Ah, je suis dégoûté. Attaque des frères d'or et d'argent. Oui, c'est vrai, tic et tac. Oui, les voilà. Les tic et tac démoniaques. Commence à réessayer. Quoi? Mais non. Donc, messieurs dames, on est de retour après une petite ellipse qui aurait duré, je pense, 2 ou 3 minutes. Cette fois-ci, j'ai littéralement tracé, hein. J'ai compris qu'il fallait absolument éviter les combats contre les Zetsu blancs, chose que je n'aurais pas cru tout à l'heure. Mais du coup, cette fois, maintenant que j'ai objectif en tête, c'est un peu plus simple. Kinkaku et Ginkaku, où c'est que vous êtes? Vous n'êtes pas du tout dans cette zone, n'est-ce pas? Fallait juste traverser. Ok, donc calme. Donc calme, il y a eu un autofocus chelou. Et très très vite. Où sont-ils? Oula. Ils sont là.
やっとお会いできましたね、銀閣様、銀閣様。なんだお前、帝族な忍び如きが俺たちの前に立つんじゃねえよ。大先輩に失礼な話ですけど、これからお二人の金と銀のメッキを剥がすこと。大先輩への口の利き方が気に入らねえな。すぐやるぞ銀閣。おうよ金閣。 Ok, bon, c'est bien ce que je pensais, ce n'est pas un véritable combat. En fait, j'ai eu un a priori en me demandant si Kinkaku et Ginkaku étaient jouables. En fait, il y a un moyen simple de savoir comment vont se passer les combats par la suite avec différents personnages du game. C'est en sachant s'ils font partie du bestiaire du combat local. Parce que sinon, sinon littéralement tu les affrontes comme ça en fait, c'est-à-dire sur un champ de bataille. Ok, j'ai ma frénésie des familles, voilà, que je vais actionner maintenant. Ok, vas-y. Ok. Un maximum de Zetsu. Un maximum de tout en fait. Voilà. Un petit coup dans Kinkaku ou dans Ginkaku. Je sais jamais c'est qui est quoi. Ok, excellent cette fois. Bon, on s'en sort. Oui, donc du coup, la différence entre les deux. Il y en a un qui est d'or, l'autre qui est d'argent. Mais alors, va savoir qui est Kinkaku. Va savoir qui est Ginkaku. Aucune, outre nous, d'idée. Tout ce que je sais, c'est que le plus charismatique des deux, c'est logiquement le. Le doré, j'allais dire le Ginkaku, je sais pas. Le Gaku, voilà, c'est le Gaku doré. Ok, vous te calmez les gars par contre, hein. Oh, ça va bien, voilà, mais quoi. Ah c'est bon, j'ai la furie, allons. Vas-y, non mais attends, quand tu te fais balayer pour un pauvre Zetsu blanc, c'est qu'à un moment t'as un truc qui va pas bien. Eh oh, je suis frénétiquement énervé, donc vous allez vous calmer. Non mais what, mais what. Eh oh, s'il vous plaît, respect my authority. Voilà, je t'envoie du chakra bleu, hein, même si normalement il devrait être noir. Vas-y, quoi. Mais quoi? Mais l'éventail de Rikudo, mes fesses là-haut! Hey, tu résistes que dalle, hein, normalement! T'es censé juste prendre tes coups et puis c'est trou! Voilà! Il se base quoi? Je sais pas, aucune idée. Aucune idée, mais je doute, mais d'une puissance! Oh la vache! Je pensais pas aussi mal m'en sortir aujourd'hui. Hein. C'est terrible. En même temps, prendre l'épisode comme ça en cours de route alors que tu t'es tapé 15 minutes juste avant de presque rien, en fait, ça fait mal. Hein. Ça fait sacrément mal. Allez, tu me le balayes autant que tu peux. Voilà, j'ai plus de vie. Littéralement, j'ai plus de vie. Ça se passe extrêmement mal. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Attendez, parce que là, j'ai pris méchamment cher. Ah non, mais waouh. Mais je me prends des coups en fait. Je me prends des coups. Attends, j'aimerais bien en éliminer un. Oh les deux. Oui, vas-y. Élimine-en un. Oui. Ranton, chasse noire. Ok, nice. Et il y a le deuxième juste à côté. Vas-y, dépêche-toi. Vite. Quoi? D'où t'en rends de la vie? Voilà, que dalle, tu dégages. Wouh. Eh bé. C'était dur. Franchement, c'était dur. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Putain, ce combat. Le pire. Je pense le pire en fait avec Hanzo. Oh non mais Rancé, tu m'étonnes. Oh la vache, je l'ai mérité celui-là. Oh, ça va, hein, respecte un peu. J'ai été mauvais, certes, mais tout de même. Et là, c'est le drame. Ah, aussi simple que ça? Ah bah très bien, c'est dommage, j'aurais fait tellement un super combat de boss. かつてあんたたちが持ってた最強人具だ。今回は俺らのために使わせてもらいましたよ。雲に二つの光あると歌われたこの俺たちが、こんな野郎どもに。初めに言ったはずっすよ。金と銀のメッキ剥がすことになっちまって、すみませんね。よし、金閣銀閣は封じた。 大丈夫たい。ここから巻き返すぞ。うわ！どうした？海岸線にあった大きな着らが2つ消えた。本当か？現地からの連絡が入った。金閣銀閣は琥珀の城兵に封印。海岸線の戦いは忍び連合軍が優勢とのことだ。よし。わざわざ転送の術を使って。 琥珀の城兵を送った甲斐があったな、マブイ。 はい。
お役に立てたようで何よりです。で、この後はどうする？すでに海岸線に羊殿を含む各隊からの援軍を向かわせています。このまま一気に決めるわけだな。ええ、この機を逃してはありませんからね。Oh, oh, du calme. Des combats de légende, il reste plein. Honnêtement, il y a largement de quoi faire. Il reste les Kage, il reste apparemment un premier bataillon, il reste Naruto dans son coin qui intervient sur tous les champs de bataille, il reste Azuma Sensei, je viens juste de le voir. Alors, premier bataillon, et bah écoutez, on y retourne, messieurs dames, on est toujours dans le chapitre 7, et c'est toujours le PLS le plus total. Let's go! Quelque part, de nouveau, en plein milieu du front. Moi, j'irais plutôt que depuis qu'ils ont été enfermés, ça se passe un petit peu mieux la situation. Hein, on a eu le temps de se poser, on a eu le temps de savoir un peu comment ça se passe. Maintenant, c'est la formation Inochikacho qui va passer à l'action. Enfin, logiquement, il y a Azuma Sensei, voilà. Sans doute. Oula, par contre c'est bon, l'œil de Darwin, il est tout chelou. L'une des plus puissantes formations, rien que ça. Même si au premier abord on croirait pas. Azuma Sensei. Ah non, Shoji, tu commences pas, s'il te plaît. Et là, c'est de nouveau le drame. Messieurs dames, c'est Rotipar et cette fois, je pense que je vais... Oui, Shikamaru Nara, mon préféré des trois, bien évidemment, et surtout, encore une fois, l'un de mes persos préférés de l'animé. Ouais, je sais, ouais, on dirait que je les aime tous, en vérité. Comment ça va se passer? Je ne sais pas. En tout cas, je verrai bien un combat de boss contre ce Azuma Sensei ressuscité. Mais en même temps, si je continue de dire ça, on va dire que j'espère des combats de boss à tous les combats. En même temps, tous les combats le méritent. Je veux dire, il y a tellement moyen de faire des trucs incroyables, formidables. Bon, c'est clairement pas un combat de boss. Au passage, j'aime aussi beaucoup Azuma. Hein. Voilà, j'aime tous les persos de Naruto, le mec qui ne savait pas faire un choix. Non mais au moins c'est bien, voilà. J'en ai pas un que je mets spécialement au-dessus des autres. Si, Kiba, Minato, mais voilà. Après, globalement, pas plus. Après, pour ceux qui veulent savoir, Stal, elle aime beaucoup Shino et Tsunade. Voilà. C'est à peu près tout. Azuma, il a une super résistance, en fait, je remarque. Là où Zabuza, il ne donnait rien, hein, littéralement, quand je l'ai raconté tout à l'heure avant de commencer, il a valu autant que pendant la vidéo, que je vous ai tournée il y a quand même une semaine maintenant. Mais alors, Azuma-sensei, Ginkaku, vous allez vous calmer les fesses, hein. Eh, on va se calmer tout de suite. Moi, je suis pas chaud. Ok, oulala, oulala, oulala. J'ai failli utiliser une méga technique contre mon propre sensei. Ça va pas du tout, Ino. Contrôle de l'âme. Aïe, aïe. Ça fait mal un peu. Ça fait mal un peu quand même. Non, par contre, le mode furé Kazuma, c'est l'un des pires. Là, moi, je vous le dis, c'est Star Wars-like. Oh, bordel, oh, bordel. Oh, ça va être chaud. Ok, ok, vas-y, prends l'avantage. Non. Je douille de ouf. Vas-y. Ok, nice. Là, je peux plus perdre. Ok. On va se battre avec tous les deux la même puissance. Même si je pense honnêtement qu'Azuma est bien plus fort. Bon, c'est des combats de type caca que je vous propose aujourd'hui. Je suis désolé, on ne regarde pas la note finale. Voilà, on se doute qu'elle ne sera pas de manière très très élevée à chevalier ennemi avec une technique secrète. Ben, je l'ai pas eu. Non, je l'ai pas eu, hein, je pense qu'on a le droit de le dire. Oh, j'ai eu un S. Mais vous êtes des malades. Mais me filez pas un S quand on combat comme ça. Mais non, mais c'était du... Quand je vous dis que je comprends pas les critères de jeu, non vraiment, moi je comprends pas, un grand mère Shio pour 520 000 Ryo obtenus, non c'est chouette, je suis content. Et d'ailleurs, mamie Shio, bah je ne l'avais pas. Bon, en attendant, Shoji faisait la trompe et Azuma-sensei restait immortel.
Ce qui n'est pas une situation agréable, ma foi. Enfin, quand il est en face de toi, quand il est de ton côté, ça va, mais là, en l'occurrence... Non. Non, juste non. Sensei... Jishin mo... Mote...今日からお前も一人前だ。今度はお前が誓いを宣誓し、子供を守り育てる番になる。僕、結婚できるかな。長次、お前がアスマにいつも何が足りないって言われてるか分かってるな。お前は仲間思いの優しい男だ。 だからこそ誰よりも強い忍びになる。自分にもっと自信を持てる。自然になんとなく変わっていくんだと思ってた。大人になってけば自然と心も体も 強くなっていくと思ってたのに。誓いはただの儀式だと思ってたけど。ジョージ。さあジョージ、宣言の時だ。誓いの言葉は知っているな。我ここに誓う秋道16代目当主として15代目より託されし誓いを 17代目となりゆくわらべへと託す。我、秋道長治は山中奈良領一族を守り、木の葉を守るため、いざ、ウェイ、ガンチョジ、 éclos et deviens un magnifique grand papillon! Deviens la grosse mine! そうだ、 長治、 その顔だ。 さなぎの殻が思ったより硬かったか? さて、 こっからは飛べるの。もちろん。やるぞ。いいな。来い。 Oh! Attention! Est-ce que c'est le combat du deuxième round? Est-ce que cette fois-ci on va jouer Choji? Est-ce que ça sent le combat de boss? Oui! C'est le combat de boss en mode Fury! Oh, ça s'annonce bien! Oh, ça s'annonce bien! Honnêtement, je n'y croyais plus! Mais oui! L'heure de l'envol. Et en plus, j'aime beaucoup Choji dans cette version. Premièrement parce que les ailes du papillon chakra, c'est beaucoup trop stylé. Mais en plus, ça le rend maigre. Et pas que je n'aime pas les personnages ronds. Mais je veux dire, lui, ça lui va bien d'être maigre. En fait, à des personnages, ça va bien d'être rond. Et d'autres, ça va bien d'être maigre. Et lui, ça lui va mieux d'être maigre d'être rond. Oui, oui, c'est ça. Alors, utiliser une attaque de soutien 4 fois. Franchement, easy peasy podé. Ah, alors attendez, parce que c'est intéressant. Il a une barre de vie de boss. Mais il n'a pas l'air d'avoir de QTE. Ou alors, il n'y a pas de prérequis. Ce qui n'est pas spécialement gênant, mais honnêtement, je suis pas sûr que ce soit un combat de boss à base de QTE. Vas-y, Choji, éclate-lui la tronche. Oh là 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 là. Oh ya. Ok. Boulet humain. Non, pas boulet humain. Ah ah, j'ai failli faire quoi là? J'ai failli faire un truc à base de chakra. J'ai pas totalement... Oula, eu le temps de comprendre. Oh là là, tu pues. Tu pues, tu pues, tu pues. Tu fais pas tes sales techniques puantes sur moi. Ah là là. Sinon, on va pas être potes. Ah, j'ai plus d'esquive. Non. J'ai perdu ma furie. Oh je doute. Oh je doute. Oh je doute. Oh je... Ah mais si, j'ai toujours ma furie. Ok, j'ai pas compris. Le papillon a disparu. Le papillon est devenu mix. Le papillon est devenu un grand et fort Pokémon. Vas-y Ino. Ok. Alors petite question, pour les prérequis de mission, enfin de combat, est-ce que il faut que j'utilise des trucs de soutien qui touchent, ou est-ce que je dois juste les actionner? Parce que c'est le cas, bah les 4 je crois que je les ai utilisés là hein. Ok, on est parti. Oui, oui, c'était un combat de boss. Magnifique, avec des étoiles et tout. Oh nice. Quoi? Elle contrôle des étoiles? Mais c'est pété. Mais c'est pété. Oui. Vas-y Shikaka. Oula, 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 gros enchaînement. Je l'ai eu quand même, mais gros enchaînement. Oui. Oh j'ai, oh j'ai. Plus qu'une étoile, plus qu'une étoile, plus qu'une étoile, c'est le bon père. Ça y est, j'ai réussi le tuteux. Oh la vache. Ah, oh, c'est pas mal. Ah, oh, c'est pas mal. Oh, c'est chaud par contre. Honnêtement, il se défend. Et c'est ça le problème. Choji!
れではかわしようがない。ナイスだ。マジチャージ。その顔だ。それさえありゃ、お前は誰よりも強い忍びだ。今は誰よりも自信満々のいい顔してやがる。Oh, ce combat, sympa, franchement sympa. Wakare da na, Asuma. Shikamaru, Ino, soshite, Choji. Omae ra ni wa mou nani mo iu koto ga nai.まさに完璧なイノシカ長だった。先生、アスマ、アスマ先生、ありがとう。よく頑張ったな。Je parlerai pas de prérequis parce que je sais pas combien de points de vie j'ai perdu, je sais pas si j'ai passé ma deuxième barre ou quoi que ce soit, je sais pas si j'en ai perdu assez pour ne pas mériter en S, mais ce combat était très bien. Non, je suis très content parce que là on enchaîne les gros combats bien faits, vous voyez, Zabuza contre Kakashi, Ino, Chika, Cho contre Azuma-sensei, pardon. Là je suis très content de ce qui vient de se passer. En l'occurrence c'était bien, c'était très très bien. Bon, alors, et du coup, double S, double S, très très bien, très 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 bien, j'ai même envie de vous dire. Ino de la Grande Guerre, bien évidemment, Shikamaru de la Grande Guerre, bien évidemment, et bien sûr, Choji, ainsi que Azuma réincarné, c'est vrai que j'aurais pu y penser. Kimimaro, qui est Kimimaro, je ne me rappelle pas, je sais que je le connais, et pourtant, Kimimaro. Ah, c'est le trou, énorme et gargantuesque que je ne me rappelle pas, c'est triste.行こう、二人とも。ジョージ。僕がこの戦場を終わらせる。だからシカマル、イノ、協力頼むよ。ああ。ジョージ、あんたと今までいたけど、これまでで一番説得力があるわね。